Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. En Kabylie, un vrai drame à Boumerdès, le drame judiciaire à la cour coloniale algérienne de Boumerdès, un affront à la justice selon les médias kabyles. Dans une chronique tragique, la cour coloniale algérienne de Boumerdès s'est mué en un théâtre de désillusion, révélant ainsi les profondes lacunes d'un système judiciaire à la dérive. Au cours d'une saga, quatre figures emblématiques de la lutte politique kabyle, citées par les médias kabyles, il s'agit de Farid Belmokhtar, Abdallah Hanin, Fateh Hamzi, et Rilas Chaouch, après qu'une lueur d'espoir s'est manifestée par une réduction de peine à une année de prison ferme, l'attente impatiente de leur libération s'est avérée vaine, un dénouement amer, orchestré par une administration pénitentielle récalcitrante, invoquant une décision judiciaire en contradiction flagrante avec le verdict initial. Malgré une audience publique confirmant le verdict initial, cite les médias kabyles, le sort des détenus politiques kabyles s'est scellé dans les méandres d'une bureaucratie opaque. Un revirement de situation déconcertant, entachant la dignité d'une justice défaillante. Au cœur de cette comédie, une juge qui, telle une oracle annonçant une rédemption imminente, avait prononcé une sentence réduite, mais la tragédie se révéla lorsque l'espoir fut brutalement écrasé par les rouages insidieux d'un système défaillant. L'épisode funeste soulève des interrogations existentielles quant à l'essence même de la justice, l'ingérence présumée dans ce processus judiciaire laisse entrevoir l'ombre d'un pouvoir occulte, érodant ainsi les fondements même de l'indépendance judiciaire. Dans ce tableau sombre, les souffrances des Kabyles s'érigent tel un mémorial déchirant, rappelant les stigmates d'une injustice séculaire. La quête d'équité se mue en un combat pour la dignité, plaidant pour une autodétermination salvatrice. Une épopée tragique qui s'avère être un réquisitoire implacable contre les méfaits d'un système judiciaire vicié. Elle exhorte à une introspection collective, incitant à la quête d'une justice authentique et universelle, garante des droits inaliénables de tous les citoyens. En particulier, elle soulève la question fondamentale du droit du peuple kabyle à son autodétermination face à l'oppression persistante et aux injustices récurrentes. Il est impératif de reconnaître et de respecter la volonté du peuple kabyle de décider de son propre destin de façon libre et équitable, cite les médias kabyles. Ce n'est qu'en garantissant ce droit fondamental que la paix, la stabilité et la justice pourront véritablement prospérer, d'après les journalistes kabyles. A heart speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.